que j'étais à la Maca, il y a eu deux tentatives d'empoisonnement contre ma personne. Dans une récente interview accordée à un confrère, le colonel Emmanuel Zungrana dit être victime d'une tentative d'assassinat. Une information qui révèle la lutte intestine et l'infiltration de l'armée burkinabé. Nous vous laissons suivre cette courte interview, riche en informations. Depuis que j'étais à la Maca, il y a eu deux tentatives d'empoisonnement contre ma personne. Et il y a même eu un qui est venu dire qu'on lui avait envoyé une mission, mais finalement, il m'a connu autrefois, donc il ne peut pas régler ça de cette manière. Donc il m'a juste avisé pour que je sois très prudent. Mais après j'ai eu des velléités et d'une opération au cours de laquelle on allait profiter m'éliminer à la Maca. Et voilà, et j'espère, je sens qu'il y a certains qui étaient au courant et certains éléments qui n'étaient pas d'accord et qui ont demandé quand même en cas de cas, ben il faut qu'ils soient dans le lot pour pouvoir voilà et me sécuriser. C'est tout ce que je sais. Maintenant j'ai compris que l'objectif depuis que j'ai été libéré, c'était que je me promène dans la ville, voilà, pour qu'on puisse finaliser le plan. Et il y a des drones qui ont survolé ma résidence depuis que je suis là, pendant au moins 4 ou 5 jours, tous les matins à 4 heures. Les enfants ont même pris des photos, 3 drones à la fois, et ces drones étaient armés. On peut bien se demander quel était l'objectif de ces drones armés. Donc c'est une tentative d'assassinat ratée contre moi qui se transforme en arrestation avec des activations et dilatoires du même rang qu'autrefois. Voilà. Mais je vais revenir avec une question répétitive. Oui. Pourquoi les autorités ukrainiennes? Pourquoi? Les autorités ukrainiennes. Je sais que j'ai passé toute ma carrière à combattre. J'ai passé toute ma carrière à combattre. J'ai combattu contre le Polisario, j'ai combattu au Darfour, j'ai combattu au Mali, j'ai combattu au Burkina et voilà, je pense avoir joué ma partition. Est-ce que c'est ça qui est craint par les autorités? En tout cas, je ne suis pas un terroriste et beaucoup peuvent témoigner que je me suis battu et contre les terroristes et je me suis battu pour le Burkina Faso. Voilà, le reste c'est de la politique et la politique n'a pas de sentiments. Si tu es gênant, ben soit on te liquide physiquement ou alors on te jette en prison ou on te pousse à l'exil. Voilà. Et il est important quand même que les gens comprennent l'enjeu qui se trame aujourd'hui.